Bon matin, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau vidéo, puis comme tu peux voir le titre, je te donne 6 de mes meilleurs exercices pour prendre des bras. Mais quand je te parle d'exercices pour prendre des bras, je te parle pas de faire aller le pepperoni, là. 3 exercices de triceps, 3 exercices de biceps, on commence ça tout de suite. Bon matin. Donc là, tout à l'heure, je suis allé entraîner biceps et triceps et j'ai eu comme idée de vous donner 6 de mes meilleurs exercices qui m'ont aidé grandement à faire grossir mes bras. Donc, je vais vous donner 3 exercices de triceps et 3 exercices de biceps que j'adore faire. Premier exercice, c'est le close grip bench press. Ça ressemble un peu à faire du bench normal pour le chest, sauf que regardez comment que je mets mes mains proches l'une de l'autre. Ça va vraiment focusser plus les triceps. Puis la raison pourquoi j'aime faire cet exercice-là, c'est parce qu'à chaque semaine, je peux toujours ajouter 5 livres environ. Fait que ça m'aide à prendre de la force. Donc j'ai fait 3 sets de 8 à 10 répétitions pour cet exercice-là. Là, ici, on peut voir que j'ai un bras qui a de l'air plus fort que l'autre. Mais ça, c'est toujours normal. Techniquement, t'es toujours plus fort d'un côté que l'autre. Deuxième exercice, je prends un dumbbell, je m'assois sur le banc, que ça me garde le dos droit. Ensuite de ça, je mets le dumbbell en arrière de ma tête et je descends dans un angle de 90 degrés. Encore un 3 sets à 10 répétitions. Là, si vous portez des casquettes au gym, mettez la casquette avec le cap par en avant parce que j'ai déjà essayé puis le dumbbell, quand vous descendez, accroche la casquette puis ça vous fait perdre votre concentration, ça vous fait perdre votre focus. Donc ça, c'est un autre exercice que j'adore faire pour mes triceps parce que de cette manière-là, je triche aucunement. C'est vraiment le tricep à 100% qui est travaillé. Ça ici, c'était mon deuxième set. Si je me trompe pas, j'ai fait 10 répétitions à 85 livres. Donc, deuxième exercice, ça ressemble à ça. Là, au début, mon plan, c'était d'interagir avec vous. Je voulais parler au gym. Sauf que il y avait quand même du monde. Donc, quand tu es au gym et tu vois quelqu'un qui est en train de parler à une caméra, c'est un peu bizarre. Troisième exercice, puis là, regardez la position que je fais. Ça, je vais vous montrer, c'est vraiment pas bon. Quand je vois du monde faire ce genre de position-là, ça me donne le cancer. On dirait que la personne pousse avec ses épaules ou se donne un ballon ou se donne un swing. Ça, c'est vraiment pas la bonne manière de faire cet exercice-là. Fait que, troisième exercice, au lieu d'y aller avec les boules, allez-y une main à la fois. Regardez, là, j'ai reculé mon bras. J'ai reculé l'épaule. Il y a juste le triceps qui descend. Mon coude reste en place le plus souvent possible. Vous faites 8 à 10 répétitions chaque côté, chaque bras. Puis pour vous aider, vous pouvez aussi un peu courber le dos. Ça va peut-être un peu, pas très élégant comme position, mais ça aide vraiment à focusser sur le triceps et ne pas tricher avec le dos ou les épaules. Donc ça ici, c'était mon deuxième set. Je pense que juste à côté, on voit quelqu'un, et voilà, la personne à côté de moi à gauche est en train d'entraîner triceps. C'est une autre manière, un peu comme moi, sauf la personne met son bras par en haut, donc c'est une autre manière aussi de focusser bien, d'une bonne manière en fait, le triceps. Donc un bras à la fois, environ une minute de pause entre chaque set. Là, après ça, je suis allé au biceps. Là, quand que je dis que je donne des exercices, c'est vraiment mes préférés à moi. Ici, je prends un dumbbell et je fais 10 répétitions chaque bras. Pourquoi que j'utilise le poussin? C'est parce que ça me donne une stabilité, ça me permet de mettre mon bras vraiment comme ça puis de juste focusser avec le biceps. Donc, présentement, on le voit clairement très bien que c'est mon biceps qui est travaillé. On voit que le pump commence à venir. Donc, j'essayais de descendre le plus bas que je pouvais. C'est sûr qu'avec le coussin, avec le banc, si tu descends trop bas, à un moment donné, ton dumbbell, il va comme frotter sur le banc. Donc, ça, c'est une bonne manière. C'est 100% dans le biceps. Vous faites 8 à 10 répétitions chaque bras pour un total de 3 sets. Aussi, je commence avec cet exercice-là parce que c'est vraiment l'exercice en partant que j'ai le plus d'énergie. Deuxième exercice, c'est je me tiens debout, je prends deux dumbbells comme ça et je monte dans un angle d'environ 50 degrés, je dirais. Plus souvent du monde vont faire cet exercice-là, puis se donne un ballon, puis
balancent par en arrière puis ils essayent de tricher avec leur dos. Moi, c'est pas ça que je focus, c'est vraiment des répétitions, comment dire, c'est des répétitions qui sont bonnes, sont 100% bien faites. Je suis pas en train de tricher avec mon dos, je garde le dos droit. Je regarde aussi dans un miroir pour m'aider à me concentrer, en fait, je dirais. Donc, 8 à 10 répétitions. Là, ça commençait à brûler. Là, j'avais pris 40, si je me trompe pas. Puis je sentais que ça s'en venait bien comme il faut. Là. Dernier exercice que je vais vous montrer, c'est les hammer curls assis. Je me suis assis justement pour ne pas encore une fois tricher avec le dos. Donc, je suis assis, je reste droit. Il n'y a pas de swing par en arrière. J'y vais un bras à la fois. Là, je regarde à ma droite parce qu'il y avait un miroir. Donc, ça m'aide à voir que mes répétitions sont bien exécutées. Je ne suis pas en train de tricher. Ça, c'est un long angle de vue. Je descends jusqu'en bas, je monte dans un angle d'environ 45 degrés. Je fais des bonnes contractions pour avoir de bons résultats. Donc, je vous ai donné 6 exercices différents. 3 de biceps, 3 de triceps. C'est vraiment dans ma top 8 d'exercices pour les bras. Quand t'entraînes tes bras, ça sert vraiment à rien d'y aller 5 exercices différents. Là. Les bras, c'est... Tu vois toujours, mettons, quand tu vas entraîner ton dos, quand tu vas entraîner ton chest, il y a toujours soit le biceps ou le triceps qui est travaillé en même temps. De la manière que je m'entraîne, une fois par semaine, entraîner les bras, c'est bien en masse pour moi. Des fois, mettons, si je fais dos, je vais finir avec un exercice de biceps. Si je fais chest, je vais finir avec un exercice de triceps, juste pour plus de stimulation. Mais à part de ça, une journée, arms day, biceps, triceps, une fois par semaine, c'est bien en masse. De mon point de vue à moi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si oui, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Laisse-moi des likes, laisse-moi des commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo.